Nickel, on rentre dans le canyon. Bon bah, on va se faire plaisir. On va essayer de tuer 2-3 trucs qui sont en vie. Voir s'il faut en tuer un certain nombre en mission bonus. Ouais, il faut en tuer quelques-uns en mission bonus, ok. Hop, du coup on va s'en occuper. Ok, nickel. C'est ici. En plus c'est un étape 1. Est-ce que je veux faire les trois étapes? On peut essayer. Tac. Tac, ensuite. Tout droit, et puis... Tac, nickel. Hop, on continue. Il nous en reste 6 à tuer. Tac. Ah ben voilà, on les a eus. Ensuite, détruire les totems. Ok, ben on va essayer de les trouver, les totems. Est-ce que... C'est ça, hein, détruire les totems. Mais il n'y en a pas beaucoup, ils sont tous très centrés. Donc ça va aller. On a déjà pris 5 minutes pour arriver jusque-là. J'espère que ça va pas en prendre beaucoup plus. Là, ça doit être un totem de guerre. Ça, c'est bon. C'est quoi ça? Totem de guerre, parfait. Tac. On va le revendre et on se prend de la thune. Voilà. On n'a pas un deuxième. Ah bah si, c'est bien ce que je pensais, il y en a un deuxième ici. Là, il y a l'air d'en avoir un troisième, non? En tout cas, ça se pourrait très bien, donc on va aller vérifier. Il y en a beaucoup à avoir. Voilà, il y en a beaucoup dans ce coin-ci. Ah, il y en a que 6 à avoir. Ça c'est quoi? Corrosive? Non, il me faudrait la paralysante.
Hop. Nickel. Ouais, t'as des dégâts, mais c'est pas grave. Hop, ensuite. J'espère qu'on va croiser les deux derniers totems de guerre en passant. Ah, ici, il y en a un. Tout le monde dehors. Je vais vous montrer mon arme. Hop. Plus qu'un. Ah non, fini. Nickel. Voilà, nous on va pas s'arrêter. Là, c'est quoi? Détruire le totem. Ça doit être celui-ci. Ouais, ça doit être celui là-bas. Tac. Voilà, nickel. Ensuite, il faut prendre ceci. On se met invisible et on se dépêche. Il nous reste... Alors, livrer le masque à l'avant-poste, donc ça sera fin de mission. Terminer ça, bah, c'est ce que j'espère. Ça, ça ira vite. Beaucoup de missions, mais des missions courtes, donc ça va, enfin courtes. Entre nous, parce que là, je sais pas combien de temps vous êtes d'épisode, mais moi, je suis quasiment à 45 minutes de tournage, donc... Enfin, vous n'êtes pas être loin, donc soit début du deuxième, soit fin du premier... Tac. Prendre l'antidote. Est-ce que j'ai dans objet de mission peut-être? Donc si je regarde ici, dans ce coin-là, j'ai plus loin, donc on va se retrouver face aux forces gamoréennes. Oui, il y a déjà un meurtre parce que quand je suis passé, je me suis fait attaquer et j'ai détruit un gamoréen avant de m'enfuir. Et voici l'entrepôt que l'on doit aborder. C'est quoi? C'est un entrepôt? C'est... Ouais, c'est ça. Tout le monde dehors. Je vais vous montrer mon arme. Tac. Voilà, nettoyer. Ensuite, il y a un peu d'argent ici. Non, il y a ça qui me sert à rien, ça qui va me servir à rien. Tac et tac. On a déjà tué 8 sur 12. Nickel, ça. Je vais prendre... Je prends ça, je prends ça. Parce que même si ça me sert pas, je peux revendre. Et vu que j'ai l'intention de la prochaine planète, avant Uta, de passer par la flotte impériale pour améliorer mon arme. Tac. Alors, il y a quoi sur lui? Un peu d'argent, un peu d'argent. Ok, on s'en moque. Ici, on va passer, maintenant qu'on a fini ça, en invisible. Et ici, on doit rentrer là-dedans. Probablement aller à l'étage. Aller à l'étage. Heureusement, on peut être invisible. Quelle chance. On va pas s'en plaindre. Et ensuite...
Je vais vous montrer mon arme. Tac. Coup de couteau. Coup de couteau. Hop, on récupère ça. Et on est parti. C'est quoi ça? Putain, j'ai cru que c'était un rat. C'est moche, un gamoréen accroupi. C'est bon, j'allais dire, on se coupe le temps d'arriver, mais il y a juste à traverser la route, donc ça va. Une toute petite route, avec des belles éoliennes. À deux pales, ouais, je sais pas si c'est le plus pratique. Comme ça, elles sont bizarres, ces éoliennes, en fait. Ah, c'est quoi ça? Commandante reconnaissance de la République. Ouais, mais non. Alors, ça, on n'est pas censé le faire, mais faisons-le ensemble, parce que... On a trouvé... Quelqu'un qui devait pas se trouver là. Hop, et il me rapporte 500 pièces. Avec un peu de prestige, etc. Hop, ici on va commencer, on a une première... Ouais, c'est elle, on peut déjà finir. Ça aura été vite. Enfin, vite. On est habitué, hein. Vous êtes de retour ? Je n'en avais jamais douté. J'ai déjà contacté la garnison de Mossila. Si vous avez les codes de la base des Gamoréens, on pourra bientôt s'emparer de notre nouvelle zone de transit. Parfait. Excellent. Eh bien, tout se passe comme prévu. On n'aura bientôt plus besoin de copiner avec les Mandaloriens et on sera en position de négocier. Mais toujours. Il vaut mieux avoir les Mandaloriens avec soi que contre soi, madame. Non, non, non. Ils sont gentils, les Mandaloriens. Enfin, disons qu'ils ont un code d'honneur. Alors, soit un casque inutile, soit un casque inutile, soit une valise renforcée. Et apporter des bottes inutiles. Dommage. Hop. Ensuite, on peut vite s'occuper de remettre ceci là-dedans avant de finir la mission. Hop. 41, boum. Alors regardez en K normalement, 41 non, par contre niveau 42, nouvelle technique de combat, niveau 43, un point de déblocage. Donc on se met bien. Oui, bonjour. Kandoshi, incroyable, vous avez survécu, félicitations. Vous surpassez tous les Mandaloriens de ces 5 derniers cycles galactiques. Racontez-nous cet exploit. Montrez à nos jeunes la voie du vrai courage. Non. J'ai pas envie. Oui. Racontez-nous tout. C'est juste noble. Mais j'ai tout de même annihilé toute résistance. C'est incroyable. Maître. Moi aussi, je veux passer l'épreuve. Je suis prêt. Ne te précipite pas, jeune homme. Tu devras t'entraîner pendant de nombreuses années avant de relever ce défi. Comme vous le voyez, vos exploits nourriront les ambitions de toute une génération. Voici l'arme récompensant votre triomphe. Faites-en bon usage. Merci, j'espère. J'ai reçu quoi ? Alors... Ça, ouais, pas ouf. Si on regarde, par rapport à ce que j'ai, il est bon en endurance et en puissance, mais pas ouf. Et donc je vais prendre la caisse, on sait jamais. Avec un casque inutile, super. Il me reste chair à canon à terminer. Mais je l'ai pas faite, chair à canon. Hop, hop, hop. Ah non, chair à canon, ce sera là-bas, ok, bon bah on va faire chair à canon alors. Hop, ici je vous montre, on est arrivé, mission héroïque, et mission héroïque. Ah bah ils abusent pas hein, dans ce coin. Les pattes en l'air, Vamas. Vamos à la playa là. Quelle est la situation, commandant? Je crains qu'elle soit mauvaise. J'aurais besoin de quelqu'un comme vous.
Et c'est quoi quelqu'un comme moi ? Il semble avoir attaqué des troupes impériales qui traversaient son territoire. Il a braqué ses canons sur nos hommes. Tue-le. Que les changements de régime sont ma spécialité. Je ne gâcherai pas votre talent avec cette vermine. Sans ces canons, il ne nous faudrait pas plus d'un jour pour raser sa forteresse. Donc tu veux que j'aille tuer ces canons ? Que j'ai envoyé détruire les emplacements ne donne pas de nouvelles. Bah oui, c'est des incapables. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse approcher ces canons et les marquer pour un bombardement. Je vais le faire. Ça a l'air dangereux, mais je prends le risque. Prenez ce marqueur de cible. Il vous permettra de commander des frappes précises sur les canons. Montrez-lui la puissance de feu impérial. Tut. Hop, ici. Oh, ça va aller. On se retrouve pour pointer les canons, parce que bon. Et nous voilà au... à l'avancement rocheux qui nous va nous rapprocher des canons. Ça a pas l'air compliqué. Il y a quelques soldats qui surveillent, je pense, mais le reste. Ici. Tac. Hop, j'aime bien ça. C'est destruction à distance. C'est bon, ça fait 1. Ce que j'ai envie de tester, c'est ça. Il y en aura pour tout le monde. Ouais, il faut tuer du monde, donc on va le faire. C'est même pas une en étape, donc. Hop. Tac. Et tac. Hop, pouf, et il vole. Vole, petit canari. Ça fait 11 sur 15, nickel. C'est 4 à tuer. Là, il y en a. Voilà. Travail terminé. Et travail terminé. Même si on a plus que 3 de canons, c'est dommage, hein. Hop, allez. On va faire coucou au commandant Vamos a la Playa. Commandant, j'ai fini. Commandant, de bonnes nouvelles à m'annoncer ? Il n'y a plus de canons. Mission accomplie, facile. Comptez sur nous pour nous occuper du reste. Sans leurs canons pour les protéger, ces vauriens s'écrouleront devant nous. Bon, ils sont déjà écroulés. Tout ce qui reste à faire, c'est aller faire un petit nettoyage, mais... Oh super, j'ai 2 casques inutiles maintenant. On va essayer de revendre ça. Hop, ici. Ah, je peux dire, nickel. Capitaine. Quoi ? On a perdu une escouade de Mandaloriens hors de prix ? Et nos gars peuvent pas le faire non plus ? Laissez tomber les excuses. Débrouillez-vous. Ça n'aurait pas dû tomber dans des oreilles étrangères. L'échange s'avère plus coriace qu'on l'avait estimé à l'origine. Allez, dis-moi ce qu'il faut faire. Votre aide est peut-être notre dernière chance. L'échange utilise une ancienne base du service de récupération pour stocker des munitions.
On a déjà lancé 2 offensives. Et on va peut-être devoir sonner la retraite pour limiter les pertes. Allez, vous êtes en incapable. Est-ce que je dois comprendre que vous allez faire mieux ? Je vais vous donner les coordonnées du dépôt de munitions que l'on visait, et les dernières coordonnées de notre escouade. Je vous conseille de chercher les survivants d'abord. Ils pourront peut-être vous donner les raisons de leur échec. Allez. Moi, je connais les raisons de l'échec, hein. Ils sont comme toi, des incapables. Allez, direction. Téléportation, point. Au point à rechercher, et puis terminer 3 offensives. Chaque fois que je finis, il m'en rajoute, quoi. Sérieux. Hop, et on se retrouve dans le camp de l'échange. Qui en veut ? Tac, et bien évidemment, il faut tuer du monde. Et c'est un truc en étape. On va essayer de faire un max de dégâts là-dedans, et puis... Juste parler. C'est triste. Allez, parle. Vous faites partie de l'équipe du capitaine Trémont ? Quoi ? Qui c'est ? C'est le capitaine qui vous envoie ? Tous les autres sont morts. Je sais pas pourquoi ils m'ont... gardé en vie. Je crois qu'il... torture. Ok. Je veux savoir ce qui s'est passé. On n'est jamais... arrivé au dépôt de munitions. Attaqué. Ils ont mis l'équipement... les explosifs... dans ce casier. S'il vous plaît... finissez la mission. Bien évidemment. Désespérant. Placer les explosifs sur les munitions, et donc là il faut que je sorte, que j'aille au dépôt de munitions et que je fasse tout sauter moi-même. Alors où est le fameux dépôt de munitions? C'est ici. Et donc il faut bien que je fasse tout le tour. Tac. Oui, bonjour. Voilà, nettoyer. Parce combien il en reste 10 à tuer. Nickel. 7 à tuer. Tout le monde dehors. Je vais vous montrer mon arme. Plus que 4. Plus que 3. Là-bas, il y en a 3. Parfait. Ainsi, ça, ce sera fini. Et après, je pourrai... Ah, les caisses explosives, on devrait pas tarder à les trouver. Ceux-là, ils sont mal positionnés. Par contre, ceux-ci, ils sont bien. Et ça, ce sera pas des caisses. Nickel, ça c'est fait. Ensuite, où sont les caisses de munitions ? Ah là.
Détruire les... Ah, ça, c'est les réserves cachettes d'armes, c'est bon. Non, c'est les missions de... C'est niveau 2. Ok, bon, on va quand même le faire. Rapidement. Même si moi, j'aimerais bien trouver l'objectif de mission. Là-bas, il y en a une. Ouh, ça j'avais pas vu. Ça c'est un bel objet. Tac. Est-ce qu'on peut l'avoir de loin? Hop. Tiens, je te donne ça, cadeau. Je peux en faire quelque chose. Pour ça que je te le donne. Hop, allez, ensuite il me reste une caisse à avoir. Je pense qu'on va la trouver en remontant. Hein. Ah bah parfait, il y en a une ici. Les droïdes, ok. Et ils sont où ces fameux droïdes? Droïdes et les gardes d'élite. Pas de droïdes. Ça c'est un droïde? Ouais, nickel. Okay. On va commencer par ça. Droïde, ça c'est quoi? Intendant, donc on s'en moque. Et il y en a combien à tuer? 5 droïdes? Tac. Ça va être facile. Lui. Ah, ils sont beaucoup quand même, hein. Ah bah parfait, un droïde ici. Merci de vous arrêter. Alors ça fait une... Et deux, on peut prendre n'importe lesquels. Ça c'est un intendant, et là c'est quoi? C'est les gardes d'élite. Donc j'ai pas de gardes d'élite ici. Tac, surprise. Là, et ensuite... Vol, petit canari. Hop, et maintenant il me reste quand même à trouver quelques droïdes ennemis. Et il faut également que je rejoigne la maison là en bas. Ok, on va pouvoir normalement joindre les deux trucs. Parce que
que je sais qu'en bas il y en a quelques-uns. C'est quoi ça, c'est garde d'élite. Ah bah nickel. Tac. Tac. Voilà. Et ensuite, plus que deux, avant d'avoir le boss final, bien évidemment. Alors ici, je sais que là derrière, c'est sûr, il y en a un. Pas ça, mais plus loin. C'est ça. Là, il y en a un. Et peut-être qu'il y en a un deuxième un peu plus loin aussi. Ça, ça fait un, et ensuite... Si là-bas c'est un garde d'élite, c'est nice. C'est un intendant, on s'en moque. Par contre, il y a un robot là, ils sont mal mis hein, là. Là, il y en a un, lui je peux essayer de l'avoir. Super mal positionné. Hop, nickel. On se soigne un peu. Ah bah super, j'ai bien fait de pas aller trop loin. On se remet tous nos bonus. Récupérer les... Okay. Ça. Dans cette petite maison. Ça va aller vite. Nickel. Franchement. Ça, on ne s'en soucie pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est lui. Tac. Oh. Bon, il est pas exceptionnel, mais il peut faire du taf. C'est juste une lampe, ok. Hop, et ensuite, livrer les bons de l'échange, hein. Et pour finir, là. Et j'espère qu'on en aura fini avec cette série de quêtes, parce que ça commence à faire long. Hein. Après, moi, j'ai pas m'en plaindre, ça me fait des beaux épisodes. Mais ça me fait quelques épisodes d'avance, ce qui me permettra d'avoir... de vous faire quelques... de pas vous laisser de la chaîne vide non plus, mais... à un moment, faut bosser dessus, Et surtout, en fait, le problème, c'est le temps d'enregistrement, vu que je tourne à chaque fois une phase d'une planète, donc phase planétaire, phase personnage, machin chouette, ça me prend... Bah, ici, par exemple, la quête planétaire, la quête de classe qui concernait la planète, donc la quête de classe, ça m'a pris une heure et demie. Par contre, ici, j'en ai, à mon avis, j'en ai pour 2 heures, facile. C'est terminé ? Oui. Je vous en prie, éteignez ça... Laissez-moi partir. Bon, je sais pas. Allez, on va dire que c'est bon. Trouver un médecin. Merci. Prochaine erreur, c'est exécution. Faut que je regarde. C'est que voilà, je suis neutre, légèrement négatif, donc il faut que je reste un peu en positif. Ouais, puis ici, rejoindre le capitaine. Et ben, on se retrouve auprès du capitaine, alors.
Et on se retrouve rapidement. Je refais une toute petite ellipse. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé ceci qui permet de voyager rapide. Et vu que c'est un délai d'utilisation de 6 minutes, j'ai le temps de le voir venir. Juste avant ça, il faut que je donne ça. Ah voilà, il est dehors. Donc ça ici. Et toi? Le dépôt de munitions de l'échange est détruit. Oui, j'ai reçu de nombreux rapports sur la destruction des stocks de l'échange. Notamment d'un soldat blessé, qui vous décerne tout le mérite. Je vous remercie. Nos positions sur Tatooine seront plus sûres maintenant que l'échange est désarmé. J'espère bien. Ah bah nickel. Et là tu m... Non, t'as plus de mission, j'ai eu peur. Gant inutile ou une valise avec un matériel inutile? Hop, y a pas un vendeur ici? Si, y a un vendeur là-bas. On va faire un petit nettoyage d'inventaire. Avez-vous besoin de soins médicaux? Portez-vous bien. Hop, alors, regardons. C'est quoi? On va vite finir cette première mission, donc on retourne. À votre service, madame. Là. Quoique non. Non. Ici. Itinéraire confirmé. Hop, si je regarde, non. Si, c'est ça pour avoir le cerveau, c'est ça? Ouais, bon, bah on va là alors. Au final, j'ai décidé de terminer d'abord cette série de quêtes. En espérant que ça la termine. Madame, le Moff Yurion est en chemin. Il intéresse. Mon héroïne, les Mandaloriens sont à leur place? Les tribus des Hommes des Sables dispersées? C'est une renaissance pour Tatooine. Ouais. Les troupes et les ravitaillements vont circuler librement sous la protection des mercenaires. Notre garnison va purger la corruption de l'échange et maintenir l'équilibre. Ce n'est pas la première planète que je livre à l'Empire. Mais c'est la première fois que vous apportez la civilisation à cette extrémité barbare de la galaxie. Bien sûr, nous avons déjà commencé à prendre d'assaut les bases de l'échange pour tirer parti de sa vulnérabilité. Nous avons saisi des crédits, des antiquités, de l'épice. Tout sera stocké dans mes coffres personnels jusqu'à ce que les autorités impériales s'en emparent. Bien évidemment. Je suis sang et eau pour détruire l'échange, et c'est vous qui en tirez profit? Vous vous méprenez. Je ne vous dis pas cela pour pavoiser. Je vous le dis parce que je souhaite partager avec mes amis. Remplissez vos poches avant de quitter Tatooine, et souvenez-vous de mon geste. Ouais. Les services secrets n'apprécient pas ceux qui volent l'Empire. Et si j'allais tout raconter à Cerber? Ce ne sera pas nécessaire, Je ne veux que le meilleur pour l'Empire. Je demanderai le transfert de mes biens, avec mes excuses. Je m'y emploie immédiatement, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Je dois me remettre au travail. Mais je vous assure que vous laissez Tatooine entre de bonnes mains. Je devrais te faire arrêter et exécuter. Traître. Nice, alors on va recevoir quoi dans cette super boîte? Ça me donne quoi? Ceci qui est mieux et ceci qui est mieux. Vous savez quoi, je vais les mettre de côté parce que je pense que ce sera ce qu'on ira récolter sur la prochaine planète. Ouais, je suis pas fan. Mais bon. C'est gant thermique. Type 2 de viseur. Viseur éprouvé, les gants, viseur éprouvé, là j'ai viseur, ok. On va faire le changement. Ça va? Ça
C'est un peu moche, mais... On va dire que ça passe. Ça jure pas avec le reste de l'équipement. C'est top. Bon, direction la récupération du cerveau.